Effectivement, ce n'est pas un secret pour personne. Nous venons avec le système radar là, c'est pour nous diminuer un peu l'accident qu'a fait et à partir des excès de vitesse. C'est ainsi que chaque week-end, DCPR, qui est la direction de la circulation de la police routière, te voyait trois patrouilles dans chaque grand axe. Trois patrouilles sur route nationale numéro 1, trois patrouilles sur route nationale numéro 2, avec trois points de radar. Ce sont des points de radar mobiles que nous faisons seulement les week-ends pour le présent moment. Point de radar, ça a été gagné pour et comment dirais-je, essayer de limiter la vitesse chauffeur par présence sur route, par présence sur route, pour limiter les dégâts. Nous connaissons que l'excès de vitesse causait un pile accident en circulation. Pour le présent moment, que nous ne sommes pas capables de mettre des points permanents, ce sont des points qui ne sont pas permanents. C'est des points que nous mettons. C'est chaque week-end, c'est les samedis et les dimanches que nous montons sur route nationale là. Au point que nous devons un slogan pour nous dire qu'on est à route nationale, yo gen met. Donc, chauffeur va faire n'importe quoi, va courir à 150, 180 000 à l'heure sans tenir compte des règlements de la circulation. Je vous dis à nous pour radar qui a diminué l'accident, mais nous avons alcool au volant toujours là. Donc, nous avons pour nous venir devant avec test alcoolométrie qui vous permettre que nous tester quantité taux d'alcool qui lance en moun pendant que nous prenons le volant. Donc, nous avons préparé ça à partir de spots publicitaires en attendant que nous mettions en activité, en fonction. Depuis que nous arrivons là pendant environ 3 ou 4 mois, là, nous avons la couette bourrée avec carcasse de véhicules. C'est des véhicules qui sont accidentés, qui ont 5-6 ans, 3, 4, 5, 6 ans dans la couette et que nous ne mettons pas une réclamer. Nous-mêmes, ça nous fait au regard du décret qui régit. OK, le service de la circulation, nous t'ai lancé un appel à la radio pour nous dire tout le monde qui gagne machine yo, qui en contravention au service de la circulation, puis on fait des marches nécessaires en vue que pour récupérer yo. Donc effectivement, il y a des gens qui viennent qui récupérer, il y a des gens qui viennent qui pas récupérer. Mais bon nombre de véhicules ça, c'est des véhicules qui fait accident depuis 4 5 ans. Nous-mêmes nous t'ai aménagé un espace, une fourrière parce que circulation pas de fourrière. Nous aménager tant bien que mal l'espace et que nous débarrasser la voie de vieilles carcasses de véhicules à eux, nous mettons dans l'espace pour que nous rendions la voie vrai visage de circulation. Parce que ce n'est pas normal que pour à l'intérieur même service de circulation, hein, pour des gens après blocus et quand dit-on de la voie. Donc c'est peut-être ça, pour nous changer l'image de circulation, nous avons commencé à faire propre ça. Et je dis à pour que nous la circulation en clean. Et que de concert avec OAVCT qui a travaillé, parce que le service de circulation travaille de concert avec OAVCT, au point que nous-mêmes, à l'intérieur même de OAVCT, nous avons un bureau qui est le bureau des accidents. C'est ce qui vous permet de faire la part des choses chaque fois que deux chauffeurs font un accident. Donc actuellement, la cour est plus ou moins vivable et que nous travaillons pour d'autres objectifs encore. Nous constatons que en pile machine qui portait gros camions qui portaient marchandises, qui portaient bêtes, qui portaient monde. Alors que c'est un accro à circulation même. Parce que les machines qui portaient marchandises pas supposées porter passagers, les machines qui portaient passagers pas supposées porter bêtes. Mais comment comprendre que même véhicule, ça y a parlé, il sortit par exemple Jérémy, il passait sud, il passait Nip pour arriver l'ouest. Donc, ça, en amont, il y a un travail qui n'est pas fait. C'est peut-être ça, conscient de problème ça. Donc, service circulation, de concert avec hiérarchie, la police là, a mis un programme pour que pour nous faire des séminaires pour chaque responsable service circulation dans le département. Yo, pour nous dire que voilà que ça qui conditionne, qui régit une bonne circulation. Donc, de ce fait, c'est pour nous éviter que nous joignons ça. Yo. Que nous jouons véhicule à porter monde, à porter bête, bien que nous connaissons infrastructure noire très difficile pour permettre que pour changer conditions, mais me penser au fur et à mesure que nous sommes conscients de problèmes et que nous même tout y a entré la normalité yo. Au niveau des différents départements pour que pour nous comment ensemble avec direction circulation et police routière nous capables en amont gérer problème ça. Pour les motards qui portaient plus que deux monde, parce que au niveau service circulation on dit que une motocyclette qui a porté deux monde au maximum,
pour mon chauffeur, chauffeur plus un autre passager. Chauffeur avec un passager. Donc pour bay ça, pour moun ça, pour moteur ça qui gagne moun ça, service circulation a prend des mesures drastiques au niveau zone métropolitaine là et au niveau toujours est-il département yo que constat les plus fréquents encore, c'est nous m'a toujours travaillé avec eux pour nous montrer sensibilité les gain 3 ou 4 moun sur motocyclette qui ça qui danger qui gagne là-dedans. Jodi a deux motocyclettes frappées, 6 moun mouri. Deux motocyclettes frappées ensemble sans pas gain dommage collatéral, 8 moun blessés. Donc c'est pas des machines qui frappent. Donc c'est peut-être ça circulation capable travailler avec responsable service départemental pour que pour nous enrayer problème ça. Et c'est aussi n'a pas gain circulation gain on c'est des checkpoints qu'a fait dans toute juridiction. Delma, Pétionville, Croix de Bouquet, Centreville. Et raison c'est qui ça lié des fois qu'on gain des machines qui pas autorisé circuler avec vitesse et n'importe qui monde contrevenant et prend plaisir pour faire et nous-mêmes nous à la recherche ça et les jeunes nous obligés sanctionner yo suivant la loi et en même temps tout des fois mon qu'on est à circuler avec assurance ni périmée des fois le parent ni compte l'assurance en périmée que responsabilité pas tomber sur lui des fois nous-mêmes nous qu'on nous dans la rue pour nous garder ça ensemble avec mon nan des fois nous qu'on pas là pour nous sanctionner mon nan mais nous là pour nous partager ça avec lui pour faire qu'on est les cas arriver responsabilité pas tomber sur dos dans cas ça on avait dit mon nan quelques jours après mon aller remplir formalité au niveau assurance pour permettre lui pas trouver dans situation ça après en plus des services normal que nous gagnons yo j'aime dire là nous augmenter tout checkpoint yo nous pas faire pour nuit personne monde nous faire pour aider population ça qu'arrivé mon dans long ligne loi ligne frontière Kimbé et nous même instruction passée à toute responsable juridiction yo côté que les check yo a fait faut que fait normal pour pas bloquer circulation pas nous même comme policiers encore pas bloquer circulation empêcher moun yo rentrer la caillou et bien yo fait un côté que nous trouvons qui gagne espace pour ça nous c'est côté ça nous fait alors nous voulons population connaît l'en fait ça nous pas fait pour nous yo nous fait juste c'est pour faciliter circulation faciliter que machine nous cap circuler qui en mauvais état cap bail la fumée tout côté et bien automatiquement nous fait ça nous même et au niveau direction à travers juridiction autour et nous prenons machine ça yo nous voyons la réparation juste pour yo même pour nous dire que toute bagaille normal c'est raison ça je dis là qui fait que n'a mettez bouche double chercher identifier problème yo côté problème yo yé et puis nous même pour nous réagir sur yo nous même circulation nous fonctionner à partir de quatre dégâts yo nous gain décret 26 mai 2006 là sans fonction de lui même que nous réagir automatiquement mon connaît bien chauffeur moto il connaît bien le pas capoter parce que un monde en plus sur moto c'est lui même plus un passager automatiquement nous jeune ni il gain plus monde sont surcharge de lié OK sont bail qui sanctionné par la loi nous même nous obligé sanctionner d'autant plus tout nous gain chauffeur moto qui prend plaisir qui conduit moto sans casque la loi pas permettre ça automatiquement la police jeune police circulation jeune il y a sanctionné mon yo parce que là nous fait mettez mon mettez casa et on va dire mettez pour nuit on met son protection lié nous mais en même temps n'a chercher véhicule qui vite tété qui pas autorisé assurance périmée mais nous même tout nous là pour protéger mon dans l'arrière pour pas qu'à faire accident tête tout c'est presque c'est là toute corrie parce que tête tout automatiquement tombe ou frappe dans tête bon garanti ou plus et senti douleur que sous des fois on l'autre côté parce que tête là même l'autre côté au moins on peut comprendre que quelqu'un qui va faire là-dedans mais tête là est vraiment difficile c'est pour nous protéger mon vraiment dangereux c'est pour nous protéger mon nom et nous c'est pas que nous inventer écrit dans décret et ben nous demander mon yo mettez casse là dans tête non juste pour si un accident fait pour nous protéger tête non à travers le rouleau des machines en mauvais état ça ne fait que des machines là nous prenons papier véhicule ça nous prenons licence ligne des plaques là nous ben chauffer ça un formulaire une autorisation pour permettre que la langue arrive pour réparer machine et les machines fini réparer pour la tourner régionale de direction circulation venir inspecter pour nous voir que ça nous demande la sanité pour chez lui est-ce que il fait est-ce qu'il répare machine correctement et c'est pour nous tout inspection véhicule c'est un paquet de bagages en direction circulation si pas une inspection véhicule c'est comme si machine presque livrée à eux-mêmes
alors qu'on pas capable de circuler sur la voie publique, pas un côté devant l'État pour passer qui la machine là, et ça fait tout temps des accidents, des machines qui en mauvais état, des machines qui en caoutchouc chauve, des machines pas au fin crasé. Donc c'est à travers le renouvellement des points de check. Et moi rappelle que inspection véhicule fermé ici depuis 2004. Depuis lors, c'est avec Genou, à travers les rues, on a fait point check et on connaît qu'il y a un pile de bagages dans la rue pour nous faire. Donc, comme ça, il faut avoir quelques machines qui passent inaperçues. Mais nous estimons que si tu as un bureau d'inspection qui travaille effectivement pour que toute machine, périodiquement, vienne faire inspection correctement, je ne sais pas avant de prendre la rue parce qu'il y a un pile de problèmes sur la voie publique. Moi, je ne pense pas que nous sommes capables autour de plus ou moins 400 000 véhicules. Autour de 400 000 véhicules. Mais on côté d'après moi on côté qu'on a tacabano exactement nombre de véhicules qui gagne c'est pas bon nombre de véhicules qui exactement non mais on va retirer c'est plus facile qu'à dire combien de véhicules qui en circulation non il était déjà là mais actuellement c'est service là fermé depuis en 2004 pour cause de matériel mais j'en dis que à ce droit là qu'on est là nous actuellement nous on peut parler avec d'autres secteurs concernés pour que au moins nous ramener service à sous pied pour nous sommes capables de faire pour nous au moins pour ton un nouveau visage là dans la circulation c'est vrai nous gagne en pile licence qui pas enregistré. Mais chaque fois que nous joignons, et nous toujours nous-mêmes au diapason, chaque fois que nous joignons des gens qui ont un véhicule, des licences qui ont enregistré, nous procédons à l'arrestation, nous voyons le tribunal. Donc nous voyons qu'on a en fin de compte qui s'est jugé au fait, mais en plus, nous joignons des gens qui ont une licence qui n'ont pas de douille, nous arrêtons, nous voyons le tribunal. Bon, ça nous a rien à ajouter, c'est que nous sommes en période de vacances, et nous avons toujours dit tout le monde est en période de vacances. C'est vrai, il y a un plaisir, il y a un programme, il y a un bal, il y a un jeu de football, mais il y a des bagages qui ne peuvent jamais marcher ensemble. C'est deux V, il y a une c'est vert, l'autre c'est volant. Des fois, prends vert, pas prends volant. Tu vois, prends volant, pas prends vert.